Voyons, voici Christophe Colomb, citoyen d'Espagne, qui savait bien qu'en raisonnant on gagne. Appris sa géographie, ça vous épate, pour prouver que la Terre n'était pas plate. Pensant qu'il avait raison, la reine d'Espagne lui fit don de 3 petits galions. 1, 2, 3. Mais les 3 rafiaux prenant l'eau, voilure au vent, rencontrèrent un ouragan terrifiant. Les vagues grondaient, un vrai cauchemar. Tous les marins criaient « Y'en a marre !» Et en ce jour maudit, Christophe Colomb leur dit: le secret, c'est la ténacité. Gardez donc l'espoir, car c'est la ténacité qui vous fait triompher. Tous dans l'adversité, lorsqu'il nous faut lutter, c'est la ténacité qui nous fait gagner. C'est le secret, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret qui mène les marins vers l'opportunité. Quand vous doutez, c'est la ténacité. Gardez dans l'espoir, car c'est la ténacité qui vous fera gagner. Qui vous fera gagner. Et n'allez pas croire que Christophe Colomb fut le seul à trouver une solution. Quand le destin vous repousse, rappelez-vous Robert Bruce. Car Robert fut le roi d'Écosse le plus admiré. Lorsque l'ennemi vint le menacer, il mena 2 batailles, subit 2 défaites, et chaque fois battit en retraite. Il pensait bien renoncer quand il vit une araignée dans la nuit se balancer d'avant en arrière, en bas et en l'air. L'araignée malhabile de son fil fragile essayait d'atteindre une branche au perché, mais la pauvre araignée toujours la manquait. Tu ferais mieux d'abandonner, dit l'Écossais. Et en ce jour maudit, l'araignée répondit: secret, mon petit Robert, c'est la ténacité. Garde donc l'espoir, car c'est la ténacité qui te fait triompher. C'est dans l'adversité, lorsqu'il te faut lutter, c'est la ténacité qui fait triompher. C'est le secret, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret qui mène les soldats vers l'opportunité. Quand vous doutez, c'est la ténacité. Gardez donc l'espoir, car c'est la ténacité qui vous fera gagner, qui vous fera gagner. Gardez donc l'espoir, car c'est la ténacité.